va travailler notamment cette semaine sur un bilan, oui, au bout de 10 journées, notamment aussi en termes de vidéo, pour montrer aux joueurs ce qui a été bien fait, ce qui a été moins bien fait. Mais on veut rester sur des montages assez positifs pour montrer que ce qu'on a fait depuis le début de saison, c'est malgré tout intéressant. Après, au niveau comptable, il est vrai que je m'étais basé sur 10-11 points tous les 10 matchs. Donc on a un peu de retard. On va essayer de continuer à travailler en essayant de rattraper des points que l'on a perdus et d'être un petit peu plus cohérent au niveau comptable pour pouvoir atteindre notre objectif. On était très heureux de donner la victoire déjà au club, aux supporters, mais aussi à tous les salariés du club qui travaillent au quotidien pour pouvoir augmenter le niveau de ce club et avoir encore plus d'exigences. Moi, je demande beaucoup d'exigences au niveau du terrain. On doit en avoir aussi en dehors et toutes les parties prenantes du club sont importantes. Je trouve qu'au niveau de notre façon de jouer, les joueurs commencent à comprendre et à assimiler pas mal le projet que l'on a et notamment aussi l'aspect tactique des choses. Et pour moi, c'est vrai que autant Paris sur le premier match, voire Lyon à l'extérieur, on n'était pas encore plus ou moins aguerri, on avait une équipe qui changeait tout le temps. Là, on a quand même une équipe qui, entre les remplaçants plus les titulaires, qui était à peu près une équipe qui était de titulaires. Donc à un certain moment, on n'est pas allé faire valoir du championnat, on a envie aussi d'avancer et d'être une équipe qui compte dans ce championnat. Donc il faut prendre des points. Je pense qu'on a la capacité déjà. Et l'effectif a la capacité à bien défendre parce que c'est une équipe qui est à l'écoute, qui a des valeurs et déjà ça c'est important puisque aujourd'hui on se situe pas trop mal au niveau de notre défense puisque on n'a pas pris énormément de buts, donc pour ça c'est très intéressant. Après, on doit s'améliorer dans pas mal de domaines, notamment dans le domaine offensif, même si on se rend compte que sur les derniers matchs, on se crée beaucoup d'occasions et après, il faut finaliser. Donc on a la capacité aussi d'amener le ballon dans la surface, donc ça c'est intéressant. Après, il nous manque pas grand-chose, mais ce qui est à ressortir de cette équipe, c'est qu'elle est à l'écoute, elle est dans le travail et elle a certaines valeurs, et ça c'est important. Franchement, je pense que quand on veut être à la 17e place, c'est très simple. Il y a plus ou moins 11 à 12 points à prendre tous les 10 matchs. Ça fait 36 et après, il vous reste 8 matchs. Donc au bout de 38 matchs, si vous faites 2-3 matchs nuls, voire une victoire, vous n'êtes pas loin de l'objectif. Donc aujourd'hui, au niveau comptable, on n'est pas... on n'est pas si loin que ça, mais il nous manque peut-être une victoire, voire un ou deux nuls de plus qui aurait pu nous permettre d'être dans l'optique des points que l'on devait avoir et que l'on n'a pas eu malheureusement. Je trouve que c'est un niveau où on n'a pas droit à l'erreur, où il faut être très bon dans les deux surfaces, mais ça on le savait déjà. Je crois qu'on a, à part peut-être à Lyon en première mi-temps, voire contre Angers sur 25 minutes, on a fait ce qu'on voulait faire, on a essayé d'imposer certaines choses. On n'a pas tout réussi, mais ce championnat est quand même attrayant. Tout le monde a envie de jouer, tout le monde a envie de gagner, tout le monde essaie d'imposer son projet et c'est intéressant. De toute façon, on va y aller avec beaucoup d'envie, notamment aussi parce que je pense qu'il y aura quand même pas mal de supporters de Troyes qui vont être au match. On a envie de faire un bon match là-bas, je pense qu'eux aussi. Donc ça sera un match, je pense, assez attrayant et on va essayer de faire le résultat qu'on peut faire, même si on sait que c'est une équipe assez jeune, qui a beaucoup de tonicité, beaucoup de valeur athlétique. Mais nous, on a aussi des armes à mettre en place pour les contrer, pour mettre quelque chose qui puisse nous permettre de gagner le match. Et un derby, c'est toujours important.